Welcome to this special history episode of French Connections Plus. In today's show, we're going to deep dive into what was dubbed La Belle Époque, the beautiful era, a period straddling the end of the 19th century and the beginning of the 20th. It was a time of peace and prosperity, of technological progress, bubbling creativity, and hope for the future. It was also a moment of deep societal change that really set the foundations of modern-day France. Join us as we time travel back to La Belle Époque. La Belle Époque started with the end of the Franco-Prussian War in 1871 and ended with the beginning of the First World War in 1914. It was a happy interlude between death and destruction, a moment of calm before the chaos of the 20th century. So what was life like during the Belle Époque? Well, to find out more, we're joined by Ana Rimena Leon. Thank you so much for being with us today. You give guided tours with Époque Tours. You're the dame de la Belle Époque. Tell us about your character. Mon personnage est une femme engagée pour la cause des femmes à l'époque. Il y en avait de plus en plus, tels que nous pouvons des mouvements comme les suffragettes. En plus, mon personnage est veuve, ce qui lui donne un statut très particulier. À savoir que selon les codes Napoléon, les femmes ne pouvaient pas être indépendantes, elles dépendaient de son père puis de son mari et ne pouvaient pas disposer de son argent, signer un contrat. Par contre, une femme veuve, elle pouvait, elle était mieux considérée que les femmes célibataires que l'on nommait vieilles filles de façon méprisante. Elle menait une vie qu'on pouvait considérer oisive, mais c'était une vie sociale très intense que le menait à aller dans des soirées bourgeoises, à l'opéra, dans des lieux de promenade à la mode. Il fallait être tout le temps parfait, ce qui pouvait le mener à s'échanger 3 fois par jour de tenue, ce qui est presque un travail à temps plein. And tell us about your Belle Époque costume. What are you wearing? C'est un costume de promenade que les dames pouvaient porter au milieu de la journée pour se balader. Bien sûr, assorti d'un chapeau parce que c'était important de ne pas prendre le soleil dans le visage. Le chapeau était très large, surtout comme mon personnage est vers 1910. On portait des chapeaux très larges qui étaient assortis d'une épingle pour bien les caler dans les chevaux, dans un chignon. Ces épingles, par ailleurs, pouvaient causer des accidents parce que parfois étaient très longues, dépassaient un tout petit peu. Il fallait toujours porter un protège-pointe, sinon on pouvait avoir une amende de 200 francs du fait qu'il y a eu beaucoup d'accidents à cause de ces épingles. Et parfois, si c'était les chapeaux très larges, les épingles pouvaient faire même 30 cm. Sinon, après, les matériaux, il faut que ce soit des matériaux précieux, comme le velours, toujours assorti avec des gants. C'était très important, les détails. Aussi, je porte une petite montre gousset pour que la dame puisse avoir l'heure sur elle. Très élégant, de façon élégante. And what else was life like back then during La Belle Époque? C'était un temps merveilleux avec beaucoup de changements, tels que l'arrivée de l'électricité, déjà utilisée pour l'exposition universelle de 1900 pour supplanter les éclairages au gaz, qui causait énormément de problèmes. Et donc, la fée électricité entre à Paris par la grande porte et c'est ce qui a valu à Paris le surnom de Ville Lumière. Il y a eu l'arrivée des voitures qui a changé la façon de nous transporter au quotidien. Il y a eu des changements plus intéressants comme l'aviation ou les cinématographes de Frères Lumière. Tout ça a fait une vie incroyablement intéressante pour les gens qui étaient dedans. So it really was a belle époque in terms of economic and technological advances. It was also a moment when entertainment really took off, particularly here in Paris on the Grand Boulevard and in the neighborhood of Pigalle. But I don't think that's anywhere your character would have gone. So here's a closer look.
La Belle Époque was a fascinating time of leisure and entertainment. The epicenter was Paris, and especially the neighborhoods of Pigalle and Montmartre. Partygoers flocked to iconic cabarets like Le Chat Noir or Le Moulin Rouge, where the main attraction was the steamy can-can dance, deemed scandalous at the time. Post-impressionist artists like Toulouse-Lautrec captured Paris's exhilarating nightlife. But La Belle Époque wasn't all fun and games. France underwent severe societal fractures like the Dreyfus Affair, when a Jewish military officer was wrongfully convicted of treason. Author Émile Zola famously accused the government of anti-Semitism in his text J'accuse. He and other writers like Charles Baudelaire captured the mood of La Belle Époque, its inequalities and transformations. Meanwhile, a new art form was being born. In 1895, the Lumière brothers invented the cinématographe, a machine that captured moving images and projected them. Soon, France got its very first movie directors like Georges Méliès and the world's first female director, the oft-forgotten Alice Guy. During La Belle Époque, Art Nouveau blossomed as a style. You can still see it on the streets of Paris today. The Belle Époque was also a time of great innovation, like with the Paris Metro. It was part of a transportation revolution, out with horse-drawn carriages, in with motorized vehicles. The Paris Metro was inaugurated in 1900 during one of several world fairs hosted by the capital. And while that world fair might have been the most spectacular, it was the one of 1889 that gave Paris its most iconic landmark, the Eiffel Tower. At the time, Gustave Eiffel's 1,000-foot tower was the tallest man-made structure in the world. La Belle Époque was also a time of political and societal change, all of it captured on film for the very first time. We're here at the Bouillon Racine in the Latin Quarter, a restaurant that dates from the early 1900s. Its Art Nouveau was very typical of the Belle Époque, and we're joined by Hugues Nancy. Thank you for being with us today. Thank you. You're a documentary filmmaker. You made a film called Une Si Belle Époque, about the Belle Époque, with footage from the time. Tell us about the images that you used. Il y a quelque chose de magique dans ces images parce que c'est la naissance du cinéma. Et donc, ce sont les premières images qui existent. Donc, on a cette fascination pour ces premières images. Ce qui est très important à comprendre, c'est que le cinéma quand il naît, c'est un cinéma documentaire, c'est-à-dire que c'est un cinéma du réel. On capture, grâce à cette invention incroyable des frères Lumière, donc cette machine qui permet à la fois de filmer et de projeter sur un écran blanc, on capture le réel. Et donc d'un seul coup, cette époque-là surgissait, et puis il y a quelque chose, pour terminer, totalement incroyable, c'est que c'est un autre siècle qui surgit sous les yeux. Quand on voit une calèche place de la Concorde ou sur les Champs-Élysées, on est quand même très, très étonné de voir ce temps, à la fois qui paraît si loin et qui d'un seul coup est un peu plus proche. Now, what's interesting is there were several periods similar to the Belle Époque in other countries like the United States or Britain or even Germany. What was specific about the French Belle Époque? Alors, la première réponse, c'est Paris. Paris n'est ni aux États-Unis, ni en Allemagne. Et Paris a cette particularité d'avoir toujours fasciné le monde entier. En fait, en réalité, Paris, à ce moment-là, commence à fasciner le monde entier, est en train de devenir la ville-lumière, puisqu'on va dire la ville-lumière. Et Paris le fait de manière grandiose lors d'une incroyable exposition universelle qui a lieu en 1900. Pour la première fois, on dit on va rentrer dans le 20e siècle. Avant, on ne comptait pas les siècles. Et donc, Paris incarne cette bascule avec cette exposition universelle. Et puis, il va y avoir quelque chose d'incroyable à Paris, c'est que, en termes la musique contemporaine va s'inventer à Paris, la peinture moderne va s'inventer à Paris, le cinéma, on en a parlé, c'est inventé ici. Il y a quelque chose d'un peu magique dans ce moment, cette parenthèse enchantée, comme on l'a appelée ensuite. But what's so interesting is when it was happening, people didn't call it the Belle Époque. That name only came much later. Why did people idealize this time so much? Alors, la Belle Époque, c'est ce qu'on appelle un chrononyme. C'est quelque chose qui naît assez tardivement. On pense que la première fois que l'on l'évoque, c'est à l'automne 1940.
et ce qui s'explique, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il y a peut-être cette idéalisation de la Belle Époque. L'automne 1940, la France est occupée, donc c'est un moment très douloureux, et on idéalise ce moment du début du siècle où la France était puissante, mais c'est effectivement une invention a posteriori, avec un petit peu de nostalgie. Les Français aiment bien se rappeler ou se sentir puissant, quand même. Hein. Et donc, ils aiment bien se rappeler le moment où la France avait un empire colonial qui était le deuxième au monde derrière les Britanniques. Donc, c'était une république coloniale, puissante, qui avait son mot à dire. Paris était la capitale enviée du monde entier. Voilà, donc, on regrette ces moments un peu magiques. You mentioned colonialism. There was a darker side to all this, imperialism, inequality. Was it really a belle époque, a wonderful, beautiful era? Alors, les historiens, quand ils ont travaillé sur la belle époque, très vite, ils ont eu envie de dire l'époque était belle, mais pas pour tous. Il y a surtout deux fractures très importantes qui déchirent la France dans cette période-là, qui sont la fracture religieuse et la fracture sociale. Et puis, il va y avoir cette loi en 1905, qui est une exception française de la loi de séparation des Églises et de l'État. Et la République, à ce moment-là, se sépare de l'Église catholique, et c'est un moment assez compliqué. La deuxième chose, c'est la fracture sociale. On finit la révolution industrielle en France. Il y a 6 millions d'ouvriers en 1900, dont 2 millions de femmes, qui, pour la plupart, n'ont aucun droit. Il n'y a pas de législation sociale, il n'y a pas de ministère du Travail. C'est une période où il y aura beaucoup, beaucoup de lutte sociale, de grève. Et ceux qui nous regardent vont dire « Ah, mais c'est français, ils adorent faire grève ». Mais c'était aussi ça, la Belle Époque. Ignacy, thank you so much for being with us today and walking us through la Belle Époque. Well, that wraps it up for this French Connections Plus about La Belle Époque. Thanks for watching. And a big thank you to Louise Morer for helping us organize this episode. Next time you're in Paris, look out for signs of this fascinating chapter of history. There are clues around the capital. Is there another era that you're interested in? If so, why don't you tweet at Phil Villemineau or reach out on social media. And we'll see you soon for another episode of French Connections Plus. A program about women who are reshaping our world. We meet those who seek equality, be it in the boardroom or at the village well. The 51% brings you stories from across the globe about the women who are challenging the way we think. The 51%, presented by Annette Young, on France 24 and France24.com. France 24, every art form. Liberté, égalité, actualité.